serré, je crois. Donc c'est peut-être un peu petit pour moi, non? Bah écoute, je sais pas, hein. Ici, donc on est chez MH Plains. Alors MH, pourquoi? Pour deux choses, mythique et historique. Effectivement, on vole sur des avions anciens qui sont mythiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont participé... Rien à voir avec les rencontres. Non. Rien à voir avec les rencontres. Dommage, t'es deg. Donc des avions mythiques, pourquoi? Aujourd'hui. Parce qu'ils ont participé à l'effort de guerre sur le continent américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Et historique parce que ce sont deux avions de collection. Ils ont quel âge là à peu près? Ils ont 80 ans les deux. Donc l'idée c'est d'accueillir les gens ici, qui vivent une expérience totalement immersive, une expérience vintage. Dans cette époque, hein, comme on voit le cadre ici, il retrace ce qu'était le tableau noir sur lequel les jeunes pilotes apprenaient à voler, les chaises et les tables qu'on a tous connues, les images de propagande qu'on connaissait aux États-Unis avec des images fortes et des marques fortes, hein, comme Coca-Cola, hein, qui est arrivé en France avec les Américains. Et voilà, donc on vend une expérience à des clients totalement immersive, vintage. Alors quand on fait des vols à sensation et qu'on fait des vols acrobatiques ou des vols de voltige, la loi nous demande d'avoir à bord, comme lorsqu'on est pilote de planeur, un parachute dit de sauvetage. Donc ça se met comme un sac à dos, hein, on verra tout à l'heure comment ça se met. Hop. Ça se met comme ça. Faut faire cobaye, si tu veux. Ouais. Ah ouais, tiens, vas-y. Ça va bien me mettre en valeur, ça je le sens. Comme un sac à dos. Hop. C'est super lourd. Voilà. Voilà, on va venir attacher marcher. Ça là. Voilà. Il sert bien au niveau des... Il sert bien au niveau des... Ça me met un petit peu en valeur. Alors attends, il manque un crochet là. Ah, il manque un crochet. Oh bon, après vous n'êtes pas obligé de l'accrocher non plus, c'est pas... Non, attends, je vais te le retrouver. Non mais tu t'es trompé en fait, voilà, tout va bien. D'accord. Donc voilà, donc te l'as équipé d'un parachute dit de sauvetage. Donc effectivement, donc pendant qu'on fera le vol, si à un moment donné je dis trois fois... Saute. C'est assez clair. On va d'abord enlever la ceinture de sécurité dans l'avion, ouais. Donc c'est un truc qui s'enlève très rapidement, qui permet tout enlever d'un coup. Ensuite, on va mettre ses deux pieds sur le siège et sauter très fort à l'extérieur. Après, la difficulté... Alors, bien sûr, il y a un casque, etc., mais tout, bien sûr, va s'arracher. Donc, en fait, une fois qu'on demande de saute, l'objectif, c'est de sauver sa peau. Le plus vite possible. La clé, et ce qui est le plus compliqué, c'est... D'aller récupérer la poignée. Donc en fait, la poignée, on la regarde, on va la chercher là, avec la main droite. Tu sais qu'elle est sur la main gauche et tu vas la trouver. Ah, faut pas que je la tire. Non. pas pour le moment, en tout cas. Tu la tires quand elle est extérieure. Voilà. Et là, c'est ça qui déclenche. Exactement. C'est ça qui déclenche. En niveau de force qu'il faut appliquer. Non, c'est juste tirer comme ça, c'est facile. Ah, donc là, faut vraiment pas faire le con. Là, si on la. Genre là, s'il tire de dessus. Ça l'expulse, il y a de la poêle partout là. Et je suis obligé de les refaire. À Paris. Plier, etc. Mais ça m'arrive régulièrement. Il y a des gens qui font pas exprès. Ouais. Non, c'est lequel pour qu'on sache bien non, là. Non, mais je vais pas aller. Alors. C'est comme les airbags à moto que tu déclenches, tu vois. C'est celui-là. Ok. Non, mais régulièrement, alors qu'on explique que régulièrement, il y en a qui tirent dessus. Mais ça fait genre une détonation? Non, mais ça t'expulse, c'est un ressort. Et ça fait pas loin de 30 mètres carrés hein, de toile. Ça fait beaucoup de toile quoi. Et après, une fois que t'es comme ça, t'as déclenché, t'es là genre, je suis en vie. C'est sauvé. Et là, tu touches plus rien. Après, on attend et ça descend. Quand même regarder ça, quand la terreur est. Dans une vieille branche, ça descend quand même à 5 mètres secondes. C'est assez rapide. Ouais. C'est un parachute de sécurité. Ça te brise les deux chevilles. Les deux chevilles quand t'arrives. D'accord, en fait, on peut même pas le piloter quoi. Non, il se pilote pas. Ah donc, tu peux atterrir au milieu de la Loire. Voilà. C'est le risque. Super. Voilà. La probabilité. La Loire est pas large par rapport au reste. Non mais lui c'est un poissard donc de toute manière. Donc voilà. C'est vrai. Donc voilà pour le parachute de sauvetage. On évitera la Loire. Voilà. Ok. On l'enlève. Ouais, je veux bien. Ça me tend en fait. Ouais. T'es stressé un peu? Non, pas du tout. Voilà, tu peux l'enlever. Sac à dos. Voilà. Ça pèse combien par contre? C'est assez lourd. Hein. Ouais, une quinzaine de kilos. Ah oui, non, c'est juste que je suis pas musclé en fait. Voilà. Parfait. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le... Sur la sécurité, il n'y a que ça. saute. Est-ce que des fois tu fais des blagues et tu fais juste saute et tu dis pas je sais pas. Il est avant midi, on fait juste ça, on fait un petit vol, ça vous donne l'ambiance. Est-ce qu'on va mieux qu'on mange après? Non, ça n'a rien à voir. Ah ouais? Non, ça n'a rien à voir. Non mais t'inquiète pas. Il dit quand même beaucoup, vous inquiétez pas. Film
même pas la calvoche. Hein. Dans les films, ils ont du style, mais en fait, dans la vraie vie, tu ressembles à que dalle. Y a de l'essence ? Un truc de en fait. C'est des grands malades les mecs, c'est-à-dire que t'es là, t'es dans l'avion, tu prends le vent dans la quiche, dans la quiche, dans la quiche, et à un moment il dit t'es chaud pour un looping. Ouais bien sûr mes gars, moi je roule en bécane, j'ai pas peur du looping. J'ai pas peur du looping, il fait ça. Et là il monte, et t'es comme ça dans le siège. Et ça fait un looping. Et t'es là genre, ah ouais ok c'est fou. On en fait un deuxième. Et on fait un deuxième. Ah c'était hallucinant. J'ai la pression qui monte là. J'avoue, j'ai un petit. J'ai la pression moi. J'ai un petit. C'est normal. Mais tu sais, mix d'excitation et mix de stress. Mais ils sont beaucoup trop calmes en fait. Vous êtes trop calmes, les gars. Bois de l'eau, c'est mieux. Hier, il me disait ramène des 8-6, ramène des 8-6. Regarde-moi ce clochard. Je suis fatigué, mais je l'ai eu. Allez, c'est parti, feu.